Salut mes pianistes, batteurs, bassistes et guitaristes. Donc aujourd'hui, on va surtout faire un nouveau tuto guitare. Nirvana, cette fois-ci, Lithium. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, on me dira en commentaire parce que voilà. Donc, je vous montre la démo et puis après, on l'apprendra. C'est très simple, donc on va jouer la première corde en partant du haut, la première corde la plus grave, puis on va la gratter à vide. On va taper dessus, et là on va regratter à vide, et on va mettre notre doigt sur la quatrième case. Donc là on prend la deuxième juste en bas de la plus grave, et on va mettre notre doigt sur la sixième case. Donc voilà, donc. Et là, on va regratter la corde des graves. Et cette fois, on va le mettre sur la quatrième corde de la corde juste en bas. Et les autres. Et sur les deux autres prochaines cordes, on va mettre nos deux doigts à la sixième case. Et là, on va regratter à vide. Cette fois, on va le mettre sur la cinquième case. Et là, pareil pour nos deux doigts, sauf que cette fois, on va le mettre à la septième corde, aux deux prochaines. Et là, on va mettre notre doigt à la troisième corde, juste celle d'après, et nos deux doigts à la cinquième corde, pareil. Et là, on a juste à faire 1, 2, donc ça fait... Et là, on recule encore. Et on reproduit cette étape plusieurs fois. Donc cette fois, on va faire cet accord-là. Donc très facile, vous avez juste à regarder. Donc on va prendre cette corde là, on va mettre notre doigt à la deuxième et pareil pour la prochaine. Et on a juste à rajouter notre doigt à la première case de la corde qui suit. Donc ça fait... faire les accords qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait ici là, sauf qu'on va le décaler et le mettre à la première corde des graves. Et là on a juste à le redécaler. C'est comme quand on a fait ça, sauf que là on va gratter. Donc ça fait... Quand on a fait ça aussi. Donc, normalement, ça vous savez le faire vu que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, ça fait... Et là, ça va faire...
facile. On prend les accords qu'on a fait là. On va le décaler à cette corde là. Et cette fois, on va aller le faire à la sixième corde. Et après, on va le décaler à la neuvième corde. Donc voilà. Donc le début, ça, on bloque les cordes ici, qui va nous donner ce son, et puis on va faire la mélodie. Et petit à petit, on va relâcher. Cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches de notification pour recevoir quand est-ce que je vais envoyer des vidéos, et je vous dis à la prochaine. Salut.